Je m'appelle Ndoko Titi, je suis le capitaine de l'équipe de Makamba. Le match est heureux, dans de bonnes conditions, les équipes étaient engagées, nous sommes fiers. Bon, malgré la défaite, tout va bien, ça va aller. Le score, nous avons perdu par 2-0. Par rapport au supermarché, c'est une bonne chose. Le village avait besoin de ça. Nous souffrons ici par rapport à ce que nous allons la plupart du temps du côté de Souza pour nous ravitailler. Si ça nous trouve déjà à domicile à Makamba, c'est une très bonne chose. Ça montre déjà le développement au niveau de notre village et du canton Abor, surtout le canton Abonon. C'est une très bonne chose, nous en sommes fiers. J'espère juste qu'il y aura toutes les conditions pour que ça puisse aller de l'avant. Sinon, on approuve l'initiative et beaucoup de bonheur pour le village. Je m'appelle Ndoukonga François, capitaine de l'équipe Nyan. Mon équipe s'appelle FC Nyan et puis la création. Nous sommes venus livrer un match de gala contre le FC Makamba. Et le match s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Et nous sommes vraiment satisfaits parce qu'on a remporté. Et c'est d'abord ma fierté. Mon équipe a remporté 2-0. Et concernant le supermarché, c'est vraiment une très bonne idée que l'équipe de Nyan ici. Personne qui a eu cette idée de vouloir faire sortir le nom Mankoun, il n'a plus trop de se déplacer par rapport aux meilleures choses qui seront là dans les jours à venir. Et nous sommes tous ensemble, l'équipe, pour encourager cette idée. Et vraiment, on dit merci et on encourage que ça soit comme ça, que ça reste comme ça. Merci. Je m'appelle Makuta Belle et Jeanne Aristide. Je suis le coach de l'équipe de Nyan. C'est une équipe qui est formée depuis la décennie, ça fait pratiquement plus de 17 ans que je suis dans cette équipe, tant comme joueur et aujourd'hui je suis comme l'encadreur de cette équipe. Je vais parler par rapport au match qui s'est déroulé, c'est un très bon match. J'ai apprécié les deux équipes dans l'ensemble et la faveur est tombée de notre côté, l'équipe FC Nyan, parce que nous avions mené 2-0. Et par rapport au supermarché, j'ai apprécié l'initiative, c'est quelque chose de très bien pour le développement d'abord de notre environnement, de notre village, de notre canton Bankoun, sud et nord. Ça va nous avantager, on est plus aller à Souza, parce qu'ici ça va nous coûter moins cher par rapport au transport. Et pour d'autres initiatives qui pourront venir, nous encourageons les promoteurs de ce supermarché
d'apporter plus de choses. Et par rapport à notre championnat des vacances ici aussi, nous l'invitons à venir encore soutenir le championnat des vacances. Ça fait pratiquement 3 ou 4 ans où ça se joue plus ici là. Et les matchs comme cela, ça va encourager d'autres villages à participer parce que beaucoup de villages sont venus aujourd'hui pour voir comment les choses sont déroulées. Donc s'il peut être aussi sponsor du championnat des vacances ici là, ça serait quelque chose de très bien. Et nous voulons aussi pour par rapport au prix, que les prix soient un peu aisés. Parce qu'à Souzol, la plupart des temps, les choses sont un peu plus chères. Donc ici là, si c'est moins coûteux, ça nous avantage à venir acheter ici là. Et que l'idée soit quelque chose de continu, de génération en génération. Merci. Moi c'est Niam Sigyom. Je suis le doyen de l'équipe. Je demande à la base, je suis le premier. Nous avons voulu gagner, mais je me disais à tout pour engager et on a été les perdants, bon, ça ne dérange pas. Dans l'ensemble, le match a été bon, tous les deux équipes ont bien joué. Concernant le supermarché, c'est quelque chose d'extraordinaire pour toute première fois dans notre canton à Bonon. Très bien. J'aimerais seulement que la gestion soit bonne. Parce qu'on peut faire ce genre de projet, ce genre de petits trucs. Et après, la gestion n'est pas bonne. Dans les années à venir, on ne parvient pas à l'aider. Donc, je veux que la gestion soit bonne. C'est le club de Mangaba qui est fondé depuis l'Antiquité, depuis des années. Depuis que le football est venu en Afrique ou bien au Cameroun, l'équipe de Mangaba a pu exister. C'est une équipe qui a joué des championnats, qui a eu à gagner des trophées partout dans notre canton. C'est une équipe que... Ce qui nous manque dans notre équipe, c'est le sponsoring. On n'a pas de grands frères qui nous sponsorise, qui nous accompagne dans nos activités. Nous aimerions que nos grands frères, nos élites, que vraiment qu'ils viennent près de nous pour essayer de nous aider. Comme le championnat qui se joue actuellement, on a des difficultés, des ballons, des manques de transport. Si nos élites, en l'occurrence peut-être M. Malaika, qui est à l'auteur du supermarché, s'il peut venir auprès de nous pour nous aider, ça nous fera plaisir. Bon, je m'appelle Nyambe Bessawa Sadrak, un élite intégré de ce village, Mangaba. Je suis vraiment très fier de notre frère. Je ne le connais pas par le nom, mais ce qu'il est en train de faire là pour nous, pour tous les jeunes. Au niveau du large pour le supermarché, franchement, ça m'a plu. Pas moi seul, je peux dire toute la population Mangaba, principalement Bankone et Bankone Nord, Bankone Sud. Nous sommes ensemble avec nos frères quand nous sortons au terrain du football tout de suite. Il nous a offert deux paires de maillots, là où nous avions donné une paire au Rougeur de Miang et sur le Mangaba. On m'a sollicité d'ajouter le match. Le match s'est annulé dans de bonnes conditions. Bon, c'était un match par les deux équipes. Mais Nyang nous a gagné. Nyang a gagné Mangaba. À cela nous tient. Nous sommes des frères. Nous sommes tous des abords. Ce que notre frère vient de faire, soit ce qu'il veut faire, que le bon Dieu le lève d'avancer, de plus, et qu'il prenne vraiment la charge des jeunes, parce que les jeunes ont besoin de gens comme ceux-ci qui peuvent faire avancer notre beau village, Mangaba. Merci.
Il y a
carré, là, ça m'a tapé l'enfant. Et là, pour que c'est ça son mot. C'est que dorénavant, ce que vous prenez à Douala, vous prenez les voitures ici, les motos avec tous les risques que cela comporte, vous trouverez dorénavant ça ici. Ne vous fiez pas des premières minutes de l'inauguration, ça c'est très beau, c'est bien ça, le Malaika Diffusion International. Ça, dans les tout prochains jours, le rôle sera rempli. Tout cela, le plein d'œufs va se faire. Mais pour l'instant, on devrait faire des symboles. On a tout ce qu'il faut qu'on aura dans les tout prochains jours. Maintenant, il va être question de savoir que dorénavant, il y a tout ici. N'allez pas à Douala. Le matériau est en sens. Parce que les gens qui ils s'en vont chercher le matériau à Douala, c'est incroyable. Merci, mais mi-tête. Je peux trouver un mi-tête, mais un souffle. Ah. Bon, banjé.
Excellence, Monsieur le Sous-préfet, Sa Majesté le Chef supérieur du canton Bankoun Nord, toutes les autorités traditionnelles en vous rend égard. Auguste population de Bangamba, chers invités, c'est avec une grande émotion que je vous dis merci d'avoir honoré, n'est-ce pas, cette invitation sur ce lieu de votre auguste présence. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. L'instant semble timide parce que l'atmosphère est quelque peu morose, mais souvent ces instants cachent aussi de grandes choses. Et je ne peux que vous dire merci d'avoir bravé les intempéries atmosphériques et d'être tout là. Merci à tout le monde. Je ne saurais vous dire très bien qu'est-ce que c'est que cette histoire de supermarché de proximité à Mangaba, à la place de celui qui en a eu la lumineuse idée que je m'en vais introduire ici sous les auspices de MC de la soirée, Monsieur John Elon, accompagné de sa charmante épouse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'inauguration. Et j'espère que tout se passera comme il faut et que vous serez satisfaits d'avoir été ici. Alors, je souhaite la bienvenue au sous-préfet. Je souhaite la même au chef supérieur. Au chef supérieur de Bankoun qui est là. Je souhaite la bienvenue à Monsieur le chef de Bonampako, là où nous sommes. Je souhaite la bienvenue à Monsieur le chef de Kounan, dont je suis originaire. Et je souhaite la bienvenue à tous les autres chefs qui sont là. Et à cette occasion, je souhaiterais que les choses se passent bien et que nous puissions tous apprécier cet instant afin que cela reste dans l'histoire. Alors pourquoi est-ce que nous avons créé ce supermarché? Moi, étant enfant, je me suis rendu compte de tout temps, c'est-à-dire quand j'étais tout petit, et je suis pas tout jeune d'ailleurs, j'ai constaté qu'il y avait un manque d'un certain nombre de choses chez nous. Principalement. Allô, principalement du poisson. Je me suis dit, on ne peut pas rester comme des mendiants. Quand on a besoin de quelque chose, on va dans d'autres villes. Et alors le moulinisme, c'est ailleurs. Ce qui fait que ici, chez nous, les gens pensent que bon, il y a certaines choses qui sont plutôt pour les autres. J'ai réfléchi et je me suis dit, ok, je vais m'y coller et essayer de ramener le modélisme dans notre village avec un supermarché de proximité qui permettra à tout le monde de se sentir à l'aise ici. Et j'espère que ce sera le cas. Par la suite, si jamais tout le monde satisfait, alors ce sera mon gros plaisir, je me dirai que j'ai réussi quelque chose. Donc je vous remercie d'être là et puis et je vous demanderai surtout de m'accompagner dans cette aventure parce que c'est pas évident du tout. Toute chose nouvelle pose toujours un problème. Il va falloir que les gens prennent le temps pour s'adapter à ça et avant qu'ils s'adaptent, il va falloir qu'on fasse un certain nombre d'efforts conjugués afin que cela puisse marcher. Donc je vais dire vive donc le canton Bankoun, vive notre pays,
Vive le Cameroun tout simplement. Je vous remercie. Mais Songan, Tata, Malé, Osadimana, Yubila, Sake Basu, Nambo, Sassomwela, Omot Nubrala, Kifa, Yaba Povenda, Ambanama Idiou. Eh, ben Sassomwenga, Nudila, Mama Kis, Nudila, Sani Se, Bobabase, à la Sol. Nous, Bengo, Bafika, Netaba, Ben Ben. Alors, il dit pastou, là, il dit pastou, il sera pas mouna, yon, toba, n'ganda, ba, à Kane. Donc, avec moi, vous battez dans le bas pour le pas. On va pas gagner. Attends, non. Bon, on va pas gagner, quand on va pas. C'est à l'angle qui sont. T'as à l'angle, ça, c'est à l'angle qui sont. Ni mouna, yon, nous, sera pas mouna, on va se faire un peu. Papa s'appelle ouais, et nous, check papa est simplement comme ça. Il y a des la super marché à la bombini. Papa s'en a m'a dit du bon, à la check qui s'opinait ton yabwe, qui pini parti l'âme, il y a du mal au Jésus Christ. Papa s'attaque, qui pépé, il bé la ouais, à la voie de mon lot, on ouagne, il m'a bien aimé sur la bas malaya à fuma, pépé banco. Papa s'appelle pépé ouais, à la voie, on ouais, maon, il faut l'incamus, il était banco. Alors, on combine des banques bon. L'anginia yon y befa. À la banque, baben du bongo. Ni l'eau pour nani pour nani. Et je dis ma on y est sur le sol de Sakane. Amen. Amen. Alors, Monsieur le sous-préfet, vraiment c'est un grand honneur si j'ose encore prendre la parole ici en ce moment et un moment solennel pour nous, les hommes de Bangoun. Assez longtemps, Bangoun court de gauche à droite pour se ravitailler. Aujourd'hui, nous avons devant nous, comme le dit si bien la tâche, une élite, une vraie élite, un fils de Kounam. C'est pas ces élites, les soi-disant, menant la guerre de gauche à droite contre la chefferie. Comme on dit chez nous, quand on va en chasse, quand un enfant s'en va en chasse, et qu'il en revient avec le produit de la chasse, sa famille est dise la maquette. C'est un proverbe africain. Sa famille est dise la maquette. Voici donc une vraie élite qui a, de ses propres capitaux, sa famille de se hisser avec un flambeau très très haut. De loin vient-il avec ses propres capitaux pour s'investir chez nous. Je pense qu'il nous revient. Tant à Mangamba, à Kounam, tant à Wonapako. Parce que j'ai coutume de dire, Kounam c'est Kounam. Aujourd'hui je dirais, Kounam c'est Wonapako, Kounam c'est Mangamba. Moi je suis pas tué. Moi je suis pas tué. Donc je dirais ceci. Vraiment, monsieur Elon, Njon, c'est un principe qui s'appelle. Les gens sont devenus Malaika, il faut aller de là-bas, mon fils. Et crois-moi, nous attendons encore de plus grandes merveilles. De merveilles un peu plus grandioses pour que notre cité puisse s'ouvrir. Ne baissez pas les mains. Courage, courage, courage. Bon, Mandien. Bon, tu vas bien, non? Oui, c'est bien. Quand on est bien là-dedans, tu pas ni. Voyez ces banconnes là, ou un pinté toto, il va dire là. Yes, bon, il va encore, il va souhaiter. Il m'a encore pas souhaiter. Encore, pas qu'on va souhaiter. Les couleurs qui sont, il va souhaiter. Ça, pour la. Kaleno, pour la. Pao, on y va dans ton web. Bon, Kaleno, qu'est-ce qu'il y a eu ça? Pas Kaleno, pour la. Pao, bon, on y va dans ton web. Ils sont bons. Bon, la guerre. Mes sommes, avec les mêmes amis du Congo, la France en bon, si vous n'en parlez. Ça va t'avouer. Bon, je me suis dit, attends, abala. Ayola, ouais, l'homme, on a eu les mêmes. Et à l'homme, on a eu la tombe. Moi, je suis dans lequel nous.
John Fitz Gerald Kennedy. Ah dit c'est bon là, mais t'as là. Moi, peut-être quoi la liste là, moi, mais c'est la liste. Parce que les dîmes qui est. Mouni, la liste, mais c'est les dîmes américains qui est. Au moins, c'est les barcodes. Maman, oui. Donc, on dit, non, c'est oui. Mais qui est donc, qui est là, c'est les. Il y a une longue. Nous n'avons pas encore. Bon, bandeur.
Jean-Guy Bander. Monsieur le représentant du sous-préfet de l'arrondissement de Fico. Leur Majesté, le chef du village, chers collègues, frères et sœurs, je suis particulièrement ému pour ce que vient de faire mon frère là aujourd'hui. On s'est rencontré il y a quelques années, on se connaît depuis très longtemps, mais on s'est rencontré il y a quelques années en France. Et il m'a dit, je vais ouvrir un truc au Cameroun. Je vais être honnête, je n'ai pas pu. C'est entré dans une oreille, c'est sorti dans l'autre. Donc j'ai pas fait. Et aujourd'hui, je suis agréablement surpris qu'il nous ait mis cet édifice ici-là, qui va vraiment nous aider, parce qu'on en avait besoin. On a beaucoup de choses nous manquent. C'est une des choses, c'était ça. Et tel que j'ai suivi son projet, avec ce qu'il va y mettre, ça va nous donner un grand coup de main. Et je demande aux autorités administratives, et toutes les autorités, de nous aider à conserver ce bien, ce bijou. Parce que pour nous aujourd'hui, c'est un bijou. Il lui faut toute la protection nécessaire pour qu'il exploite son affaire tranquillement. On sait ce qu'on a comme problème. Je compte sur les autorités administratives que vous êtes pour nous. Je vous remercie. Alors, monsieur le préfet, ne va pas prendre la parole tout de suite. Il faut qu'on sache que c'est une journée de joie, de cœur, une journée de comment je vais dire ça, des rires. On dit en Afrique. Les gens ne croient pas à ça. Qu'il ne faut jamais pleurer sous la pluie. Parce qu'on ne verra pas vos larmes. Je ne sais pas. Si tu pleures sous la pluie, on ne verra pas tes larmes. Il faut pleurer quand il ne pleut pas. Et comme ça, on voit tes larmes. Moi, tu as dit le premier petit que ouais, monsieur le sous-préfet, vraiment, continuez le boulot jusque là-bas. Ouais, vous voyez mes larmes. Mais si je pleurais sous la pluie, vous n'allez pas voir. C'est ça l'adage africain. Il ne faut jamais pleurer sous la pluie, on ne verra pas vos larmes. Moi je pleure, la pluie est partie. Je n'allais pas vous dire ça s'il pleuvait sur moi, je n'allais pas le dire, parce que vous ne verrez pas mes larmes. Si tu préfères, je pleure, regardez. Vraiment, les 2 km, les 5 km là pour arriver en Pomo Turquie. Ça tue qui par rapport à tout ce qu'on connaît. Par rapport à tout ce qu'on connaît, regardez. Vraiment, merci. Bikanto bimba, bimba, bimba. Mais j'ai dit, Bikanto fait. Mais... Il y a des bonnes, il y a des bonnes.
mécanicien maritime ajoute à cela, là c'est super bien. Ingénieur électromécanicien maritime. Allez, vas-y mon petit. Vas-y, ton cerveau est grand, tu l'as prouvé. Mesdames et messieurs, monsieur le sous-préfet, nous sommes en fête. Permettez-moi encore de violer vos deux petites minutes. Lucky le pacificateur, il est où? Monsieur le sous-préfet, vous avez vu vous-même.
sur sa qualité d'esprit. Voilà, vous avez suivi vous-même. Quand il est venu, lui qui n'a jamais produit quelque chose, vous avez vu vous-même. Donc vous n'avez pas perdu le temps. Monsieur, je vous préfère vraiment, excusez-moi d'avoir heurté votre emploi du temps. Cela dit, moralité, voilà l'herbe, la Yacendo qui a pris tout le fleuve. Ouais, les institutions, vous êtes où? Le goudron n'était pas là. On payait 500 pour arriver à Bessunga. Le goudron, là, on paye 1500. Vous êtes où? Il n'y a pas... vous avez planté... Voilà. Vous nous avez mis ça. C'est calé. Vous êtes où? Voilà l'esprit. Mais on fait confiance. S'il vous plaît, dites aux instances supérieures que nous sommes avec elles. Nous serons avec elles. Parce que la personne qui tient la manche, c'est elle qui est importante. Si vous tenez la partie aiguisée, tant pis pour vous, vous allez vous blesser. Et les banques sont avec celui qui tient la manche. Merci, mesdames et messieurs. En tant que le bruit, en tant que le bruit, il m'a brandi, il m'a mis le bruit sur ton corps et l'homme. Voilà, ça qui va sous Imbouye Moussou, monsieur, je préfère maintenant. Ouais, je suis payé à la fonction plus passée de Baba. L'international, merci, Sprague. En principe, merci, Sprague, et ça vous la manière. Yeah.
Monsieur le sous-préfet, je disais ceci, et Narcisse Price, il va être classé parmi les immortels de l'UNESCO, ça on le sait déjà, mais il y a que eux, ils doivent remarquer les jeunes, et il y a un jeune que les Narcisses se doivent de remarquer, de les amener dans les, comment on appelle, les studios hollywoodiens, comme lui, il est là-bas tout le temps, il est aux États-Unis tout le temps, le gars, il faut remarquer les autres parce qu'on t'a remarqué. On va donc écouter un jeune, il s'appelle Pat Matt. Monsieur le sous-préfet, prêtez l'oreille, vraiment prêtez l'oreille, il va vous donner le micro, pardon, est-ce que la poche intérieure est bonne, parce qu'il va vous donner le micro, si il n'est pas bon, je dis laisse tomber. Donc on ne fait pas ça aux administrateurs, parce que voici le représentant du président Paul Biya. Au moment où nous parlons, s'il dit on nous arrête tous ici, avant 5 minutes nous sommes partis. Donc pas de mat, tout de suite et maintenant. Un instant solennel, un instant historique, un instant que personne ne pourra corriger dans l'histoire des Bangoune est venu et l'histoire retiendra que c'est vous qui étiez là. Et ça va se toucher dans les âmes. Et vous savez, au moment où nous parlons, c'est Patrice, les Bangoune, New York, tout ça, c'est parti. Et maintenant, monsieur le sous-préfet, vous avez la parole. Permettez-moi modestement de vous lever et dire un petit quelque chose chez les Bangoune qui sont partout. Parce qu'en ce moment, si vous le savez autant que moi, que c'est parti jusqu'à Rio de Janeiro. Bon matin. Bon matin. Bon matin. Monsieur le responsable des forces de maintien de l'ordre, Sa Majesté, chef supérieur du canton à Bonnord, Leur Majesté, autorités religieuses, distinguées et évitées,
mesdames et messieurs, l'honneur m'est choix de prendre la parole en ce lieu et place au nom de ce prophète de Fiko, M. Oka Malom Oumate. Je voudrais depuis ma bord vous transmettre ses salutations et vous présenter sa désolation du fait de son empêchement, puis son agenda très chargé qui ne lui a pas laissé le choix de se disposer pour honorer à l'invitation de cette cérémonie l'ouverture du supermarché MD Business. Il va sans dire que ce centre commercial, que je me permets de l'appeler ainsi, qui de par son promoteur, je disais tantôt, qui de par son promoteur, M. Ndjo Elon Malaika, a vu le jour, vient ainsi contribuer non seulement au développement de la localité, mais aussi à l'épanouissement des populations riveraines. Tout porte à croire que M. Ndjo Malaika a eu une vision juste, une analyse d'expertise, un engagement sans réserve pour mettre à notre assain une telle épicerie et ainsi répondre d'une part aux attentes des populations locales, car les menus qu'il fallait jadis s'en acquérir en parcourant des kilomètres et en prenant tant de risques d'arnaques et d'extorsions dans la cité économique, dense et emboutillée, vous y en trouverez sur place dorénavant. À cet effet, permettez-moi d'adresser les vives salutations à ce promoteur visionnaire. D'autre part, cet investissement répond tout de même aux interpellations constantes et permanentes du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui ne ménage aucun effort pour inviter tout citoyen camerounais soucieux du développement territorial du Cameroun en général et celui des localités en particulier, de s'y engager sans réserve pour l'auto-emploi des uns et l'offre d'emploi pour les autres. Chère population de Bankone Nord, veuillez croire que vous êtes les premiers bénéficiaires de cet investissement. Il en va de vos prérogatives et de votre devoir de nous soutenir, autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre, pour garantir votre sécurité en général et celle de vos biens, donc de ce supermarché de proximité en particulier. Des activités illicites, je cite vol, vandalisme, etc., de nature à compromettre nos propres intérêts et à desservir notre localité. Je vous en appelle donc à la vigilance et l'unité, au principe de un au service de tous et de tous au service de un, afin que ce supermarché MD Business réponde positivement à nos demandes de par sa longévité et fluorescence. Et enfin, que vive le canton Bankone Nord et ses environs, que vive l'arrondissement de Fiko et que vive le Cameroun. Je vous remercie.
qu'est-ce que M. Prophète n'a pas dit. Tout de suite, coupure de ruban symbolique. Et la traversée des océans.
Il pouvait rester là-bas comme les autres, mais il s'arrêtait. Il aime bien pédé. Amal, l'homme, ma bis. Nous dit là, le chef va faire une dédicace pour cet espace marchand, ce supermarché Malaika Difiji International. Tout de suite, donc, l'onction des patriotes. L'onction des patriotes. Chef et chef. Les chefs et chefs seulement. Les chefs et chefs. Les chefs et chefs seulement. Les chefs et chefs seulement. La notabilité attend. Je vous envoie quelqu'un qui va travailler avec vous. Pour ce moment-là. Les chefs et chefs seulement.
boîte. Bob, il va répondre très bien. Ah bon, non, il ne sera pas mieux. Il est pas aussi. Il est plutôt à bas. Ouais. Il est à bas, nous, manque. Il a un job. Ça va être très bon ici. Quel horreur. T'as une boy ici. Maintenant, nous faisons madame de la pas de droit. Bon, il est ma pose. Bob, il est mousse. Bob, là. En tant que Bob, il peut faire le pénis là. Il peut faire le Bob, il t'a pris là. Bon, il est enlevé. Bob, il est banco, non, il est mousse. Bob, il est là. Il m'a pas essayé. Bob. Bob, il est bon. Bob, il est bon. Bob, il est bon. Ça comme qui ça yo? Yes. Ça one man. Yes. Comment y est? Il m'a quoi ici? J'ai dit bête de tout le temps. J'ai encore deux nièces. N'ayez pas peur. Tout ça a diable, tout bon nom. T'as oublié des diables, des poupons. Quelle personne. Yes, on y est. T'as un peu de faire un bac. Oh, t'es un os. C'est là, des hommes. Il va plus pas beau. Il va y aller. On a passé. On est là, l'eau et non la yéra et manière comme le tabac, il a des gardes du pétla. Bon, ça va, ça va, ma papa. Des nouveaux béfis sont des bouts d'un paroi. Bon, quel satan, vous êtes un fille. Bon, ça sort autour de la famille. 4, 7, terminé. Alors, tout le monde sait ça. Je suis les Fritz, le part pour moi. Dis au revoir. Ils sont invités, femmes, une femme, signer le livre d'or à quelques mètres d'ici. Le reste, à part sur place. Voilà. Voilà. Vitez. Take some and call them. Take it, sir. In boy, yes. The man, I form Kitum. Kitum. If my cat talk like one one beast. Oh, Bekoye. 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 N'ont pas d'invitation à attendre sur place. Voilà. Les forces de maintien de l'ordre. Alors, voilà la procession. Nous voulons donc que les forces de défense soient avec nous pour accompagner cette procession. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Makutu kutu mambing ma. Tonje ntake mambing. Tonje gataje mambing. Eh, bogita ma bonne. Eya o me eh bogita ma bonne eh bogita
Monsieur le sous-préfet, je disais tantôt que le chef de Bonampakou remercie tous ses pères qui sont dans sa résidence actuellement à Bonampakou. Et comme monsieur Massou Mamambia disait tantôt, je vous invite de signer le livre d'or que voici. Nous n'allons pas tellement perdre du temps parce que nous avons assez perdu du temps compte tenu de votre calendrier si chargé. À cet effet, nous n'allons pas un curé ici, un pasteur, mais nous allons demander à quelqu'un qui est loin, de nous faire une courte prière, et par la suite, monsieur le sous-préfet et sa majesté, vous seriez conviés à la table, ainsi que le chef de Founan, le chef hôte qui vous reçoit. Avec votre permission, merci. Merci. Amen. Amen. Nous sommes là,
Boom, 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 boom